bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode supplémentaire de Tour d'un jeu sur Space Game. Donc, comme il avait été demandé dans un commentaire, je vais recontinuer en fait le jeu un peu plus loin. Donc, aux précédentes émissions, j'ai fait cette planète, et donc ce coup-ci, nous allons faire celle-ci. Mais on va aller chercher un peu plus loin dans le concept du jeu, en fait. Donc là, je suis en train de regarder, j'ai ma petite solution que j'ai cherché avant, et donc là on va rechercher les doubles liaisons. Donc là on a un atome d'oxygène et on sort du dioxygène qui a deux liaisons au niveau de l'atome d'oxygène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer deux liaisons pour l'oxygène. Donc on va faire entrer deux fois cette molécule, une fois ici, une fois là, peut-être pas forcément à cette position au final, pour former deux liaisons ici en utilisant deux fois le bind plus que l'on a ici et ensuite le transporter ici. Donc ce que je pense faire, c'est je vais faire rentrer un atome à cet endroit là, je vais le récupérer et le poser ici. Comme ça, si on regarde, je rentre un atome, je le prends, je l'amène, je le pose ici. Comme ça, là, sur ce point de vue-là, c'est réglé. Mais en même temps, ici, si j'en fais rentrer un second ici, je vais avoir mes deux atomes qui vont être posés ici. 1, 2. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là? Ma solution que j'ai envie d'utiliser, en fait, est de supprimer... non, il faut que je garde celui-ci. Parce qu'il va falloir après que j'arrive... Donc c'est pas une bonne idée de le faire comme ceci, en fait. Est-ce que je vais plutôt faire ça comme ceci, et comme ça je peux repasser ici et rechercher la molécule. Vous allez voir ce qui va se passer. Il prend celui-ci, il descend, il en fait arriver un autre ici, il remonte, il le pose, et là je reviens et j'attrape celui-ci. Donc là, si je fais une liaison ici, j'ai créé, vous allez voir, je prends le premier, je l'amène, je le prends, je descends, j'en fais rentrer un autre, je remonte, je le pose, je crée une liaison, je crée deux liaisons, et je le reprends, et donc j'ai directement cette molécule. Et là, il me suffit d'aller ici, de le poser ici, et de faire la sortie, et vous allez voir, je vais faire mon dioxygène, et je vais le poser. Donc je prends la molécule, je fais entrer un nouvel atome, excusez-moi, c'était un atome, je pose, je fais une liaison, je fais une deuxième liaison, je prends, je l'amène, il avance, il est posé, il sort et c'est reparti. Et donc comme ceci, hop, je peux accélérer un petit peu, et comme ça on l'a fait en utilisant 16 symboles, qui est moins que la majorité des gens, mais beaucoup plus de cycles. Parce qu'en effet, il est possible de faire celle-ci de manière complètement différente, hein. Je vais essayer de le faire d'une autre manière. Donc on garde cette idée, mais on supprime tout, et ce coup-ci je vais le faire en utilisant les deux Waldos. Donc, ce que je peux faire, c'est... Alors, je vais partir effectivement comme ceci, je crois même que je vais partir ici et là. Ceci là, je l'amène comme ceci, et que je le prends là. Oups, excusez-moi, trop vite. Et que lui, je le fais rentrer à cette position-ci. Ah non, je lui ai demandé bêta. Non, il faut que je mette encore un plus loin et que je fasse rentrer alpha. Il prend, il rentre. Il prend, on continue comme ceci. Alors, comment ils vont être décalés? Ils sont décalés comme cela. Donc, j'amène ceci ici. Je demande au rouge de l'abandonner ici, au bleu, ah excusez, voilà, au bleu comme ça, donc le rouge descend, le bleu descend, le bleu le lâche, et là normalement, j'amène lui, il pose sa molécule ici, lui la pose, il la bande, il la pose, donc ça c'est pas bon, il faut que je drop ici, que je mette ça ici, je bande ici. Voilà, donc là il prend les deux atomes, celui-là le pose, celui-ci fait la première liaison, la deuxième liaison, le pose. Et donc ensuite, je n'ai plus qu'à dire
de sortir, sur Phi. Et je n'ai plus qu'à les ramener. Et il faut qu'ils fassent, on va voir, il faut qu'ils fassent la même longueur. S'ils font exactement la même longueur, je ne vais pas avoir besoin de synchroniser. Donc ils ne font pas la même longueur. Celui-ci était légèrement plus court. Est-ce qu'il était plus court? Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cases. Si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18 cases et 20 cases. Je vais être bloqué pour les faire de la même taille. À moins que si je fais ça, je rajoute une case ici, une case là. Non, pas du tout en fait. Là, c'est bon. Et là, vous allez voir que... Hop, je vais ralentir un petit peu pour la première fois. Ils sortent, ils reviennent, ils vont passer start en même temps. Donc comme ça, ça va permettre peut-être d'aller plus vite. Mais c'est une autre solution possible où au lieu de faire les liaisons sur place, on les fait à la suite. Et donc c'est comme ça, et je suis sûr que... Si je cherche encore un peu, je peux trouver une troisième, une quatrième, une cinquième solution. Il y a effectivement une solution idéale. On va les accélérer un petit peu. Et vous voyez que celle-ci, en utilisant un symbole de plus, j'économise quelques cycles. Donc forcément, il y a des solutions qui permettent d'aller aux alentours d'une cinquantaine de cycles. Donc il y a une solution optimale, mais d'autres qui ne le sont pas. Et à chaque niveau, on voit bien qu'il y a beaucoup de différences au niveau des deux. Et donc là encore, on a du diazote qui a une triple liaison covalente au niveau de la molécule entre les deux azotes, et ici j'ai un seul azote, donc c'est encore dans la même idée, hein. On prend la molécule, on l'attrape, on la pose juste à côté par exemple, on revient et on fait sortir tout ça. Alors ici il faut que je fasse rentrer une seconde... Oups, excusez-moi, j'ai été un peu trop vite. J'ai oublié de la poser et de la faire sortir. Et j'ai oublié de la lier. Et là vous pouvez voir que ça ne va pas marcher puisque là je ne peux mettre que deux liaisons. Mais en fait ça peut marcher puisqu'on peut utiliser le second Waldo. Donc, je vais le faire ça autrement. Vous allez voir, j'ai utilisé le second Waldo pour faire les liaisons donc. Celui-ci fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cases. En fait, comme ça, ça ne va pas pouvoir marcher parce que je n'ai que... Ah, quoique, peut-être. Donc, pour faire plus simple, on va faire un second... Excusez-moi, mauvaise couleur. On va faire un second Waldo qui a exactement la même configuration que celui-ci. Vous voyez, j'ai deux fois exactement le même. Liaison, liaison, liaison. Et donc là, vous allez voir, je prends celui-ci, je descends, je remonte, je le pose. Deux liaisons et une troisième liaison. Et les deux Waldo fonctionnent en concordance. Et avancent comme ceci. Et je fais mes trois liaisons avec un espace où je n'aurais pu en faire théoriquement que deux. Et donc c'est aussi une possibilité pour ce puzzle. Dans dans la recherche que j'ai fait précédemment, que je suis en train d'aller chercher sur l'ordinateur d'à côté. Alors, est-ce que... Non, ce n'est pas celle-ci. Je suis en train de rechercher mon screenshot. Qui correspond, c'est celle-ci peut-être. Ah, je ne sais plus. Je vous laisse en fond celui-ci, le temps que je trouve... Voilà, c'est celui-ci. Donc, je vais vous faire... Alors... voir en taille grande. Voilà, donc ceci est une possibilité avec 25 symboles en 218 cycles, et je vais vous faire la possibilité que j'avais recherchée tout à l'heure au moment où j'ai fait... Attendez, je suis en train de regarder. Alors, ici là, on démarre le bleu vers le haut et on part comme ceci. Ah, je me mélange avec les couleurs puisque je joue entièrement au clavier.
Voilà, c'est ça. Et le rouge part comme ceci, il descend là, il part ici. Il remonte là et il repart là. Voilà. Et donc là, en fait, j'utilise les deux wall doses pour faire rentrer les molécules. Donc je rentre ici et je rentre là. Alors, j'attrape ici. Attendez, là, je suis en train de voir que mon bleu... Voilà, là, ce sera mieux. Alors, ici, je synchronise. Ici, je bande plus. Ici, je retourne. Ici, je bande plus. Ici, je grappe. Ici, je sors. Et donc, le rouge, j'ai mis tout ce qu'il faut. Et donc, maintenant, au bleu. Alors, il faut attraper ici. Synchroniser là. Ajouter une liaison ici. Et laisser tomber là. Donc vous voyez que c'est déjà un poil plus compliqué. Et donc là, je fais ma première liaison, je descends. Attendez, je vais voilà, je vais vous commenter sur... Là, je synchronise, je les pose, je fais en même temps une et deux liaisons. Je retourne pour arriver ici et faire la troisième liaison. Donc vous voyez que là, je fais travailler les deux Waldos entièrement en coopération en utilisant un tout petit cycle bleu et un grand cycle rouge. En synchronisant les deux pour avoir toujours bah justement les bonnes molécules. Et donc celui-ci, je ne me rappelle plus en combien de cycles il se fait. Ouais, 149 cycles et 21 symboles. C'est pas forcément corrélé, excusez-moi, le nombre de cycles et le nombre de symboles. La plupart du temps, pour avoir le minimum de cycles, on a tendance à avoir quand même plus de symboles. Et donc là, il y a plusieurs... plusieurs différences de ce qu'on peut retrouver. Donc dans le suivant, voilà, celui-ci, on casse une liaison et on en met un de chaque côté. Donc on va le faire très rapidement puisqu'il me semble que c'est le prochain qui devient extrêmement intéressant. Donc là, j'utilise encore une fois les deux Waldos pour casser les liaisons très rapidement. Donc j'attrape le carbone, le monoxyde de carbone, donc carbone, oxygène, double liaison covalente, qu'on casse en carbone et en oxygène sans aucune liaison. Donc, alors, on va faire ça comme ceci. On va garder. Bon, on ne va pas chercher à faire le minimum de cycles dessus. On va chercher à ce que... Et je ne peux pas faire ça comme ça, effectivement. Je vais être obligé d'amener... Excusez-moi, je perds ma voix. Je vais être obligé d'amener le bleu dans l'histoire. Alors, on remonte, on attrape, on part par ici. On descend là. Alors, normalement, ça va lamentablement rater, hein. Je vais avoir forcément une collision à un moment ou un autre entre les deux. Voilà. Ça, c'était prévisible. Donc là, ça va lamentablement rater puisque mes deux chemins ne vont pas faire du tout la même taille. Alors, à une case près. Alors, comment je pourrais gagner une case dans tout ça? Et si je décale ça de 1, par exemple? Je n'ai pas envie de compter mes petites cases. Voilà, il passe start exactement en même temps, donc voilà, celui-ci, on le passe rapidement. Et je pense que celui-ci devient intéressant. Non, il va devenir intéressant prochainement. Là, c'est juste basique, une introduction au pipeline. On va passer ça très très rapidement. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'on va avoir plusieurs réacteurs. Vous voyez ? Je peux mettre un réacteur ici, dans lequel je vais avoir une entrée en hydrogène, une entrée en chlore, et on va fabriquer de l'acide hydrochlorique dans le réacteur. Donc c'est exactement pareil que précédemment, en fait, où au lieu d'être juste directement dans cette fenêtre-là, on a deux réservoirs, la fenêtre des Waldos, et ensuite le jeu. Et ce coup-ci, on a un élément qui arrive de chaque côté. Donc on va faire ça assez rapidement.
le fait rentrer. On l'attrape, on rajoute la liaison. On le laisse tomber, on revient. Ah, on fait sortir. Non, c'était phi. Et on synchronise. Et normalement, celui-ci devrait à peu près marcher. Et là, vous voyez une autre chose, c'est qu'il y a le temps que ça arrive du pipeline au réacteur. Et ça, ça devient intéressant. On voit qu'il n'est plus possible de faire les petits twists que j'ai fait précédemment avec les systèmes de même longueur pour que ça marche très rapidement. Là, vu que les pipelines ne vont pas avoir la même longueur, on n'a pas forcément la possibilité de réussir ceci. Et là, donc, on arrive avec... on a trois entrées, il faut qu'on fasse du formaldéhyde, qui est une molécule qui possède trois éléments. Donc pour ça, avec un réacteur, si je pose un réacteur, on a deux entrées. Donc ce qu'il va falloir que nous fassions, c'est avoir un réacteur ici, un réacteur ici, une sortie de réacteur... Oui, là je les ai mal positionnés. On va le positionner ici. La sortie de ce réacteur-là, et celui-ci qui va aller se connecter ici. Donc c'est pas forcément du tout le plus intelligent ce que j'ai fait. D'ailleurs je pense que je ne vais pas faire ça parce que ça va être plus simple si j'arrive à remballer ce pipeline. C'est plus simple de combiner le carbone et l'oxygène pour faire du monoxyde de carbone. Donc c'est double liaison O que l'on voit ici. C'est double liaison O. Et ensuite... d'amener de l'hydrogène dans ce monoxyde de carbone pour créer du formaldéhyde. Donc ici on a CO. Ici on a le suivant, on a ceci qui arrive. Donc ce qu'on va créer c'est C double liaison O. Donc ce qu'on va rentrer c'est, on va rentrer l'oxygène. On va rentrer... Non, il faut que je le me mette ici. On va rentrer le carbone, donc j'attrape le carbone, je rajoute une liaison ici, et là, on va voir ce que ça va donner. On attend pour faire rentrer les différentes molécules, et ça marche. Ce n'était pas gagné que ça fonctionne, mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va synchroniser ici, on va synchroniser là, et on va rajouter une liaison ici, et comme ça, vous allez voir, je vais faire normalement directement... ma double liaison. C'est très pratique. Et donc ici, je vais le faire sortir ici. Donc ici, je peux rajouter une note, puisque je vais faire sortir C ici, O ici, et double liaison entre les deux. Ah, double liaison verticale. Hop. Et voilà. Et là, vous allez voir que j'attends mes éléments. J'arrive, je synchronise, je double liaison. Je le pose ici et je le pose comme ceci, ce qui va me permettre de l'amener dans le réacteur suivant, ici. Et ici, je sais comment arrive ma molécule. Donc ça, c'est déjà plus pratique. Donc là, je boucle, je synchronise ici pour être en synchrone avec celui-ci. Et donc là, vous allez voir, c'est double liaison O. Il arrive ici et j'ai oublié de mettre... ceci, où je le fais sortir le réacteur phi, ça arrive, il sort, et comme ceci, je peux l'atteindre dans ce réacteur-ci. Et dans ce réacteur-ci, je vais faire quelque chose comme ceci, où je vais mettre mon monoxyde de carbone ici, un hydrogène là, je fais une liaison, et je sors. Donc pour faire ça, on va faire ça de manière assez simple. Je fais rentrer mon monoxyde de carbone, je le récupère, et je le pose ici. Pourquoi pas, hein? Vous serez d'accord avec moi, hein? C'est le plus simple. Et pour ça, après, il faut que je fasse rentrer celui-ci, que je l'attrape, que je le pose ici par exemple, que je revienne, que je le fasse rentrer, que je l'attrape. Mais là, ce n'est pas forcément extraordinairement optimal. L'endroit où je l'ai fait n'est pas du plus optimal, mais c'est pas grave. Non, effectivement, il va falloir
que j'aille ceci ici et que je mette ça ici. Voilà. Là, c'est plus optimal. Et ici, je fais une liaison, j'arrive ici. Et là, on va voir ce que ça donne. Vous allez voir assez rapidement, normalement, les longueurs de pipeline ne sont pas les mêmes et les cycles de liaison non plus. Ah, ça va peut-être... Ah non, ça ne va pas marcher. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va synchroniser ici et on va synchroniser là. Donc comme ça, il va poser cette molécule avant de poser l'autre et ça ne va pas marcher non plus. Vous allez voir pourquoi, vous allez peut-être vous rendre compte. Ici, je vais avoir un problème. Parce que cette molécule va être posée là. Voilà, lui va arriver, il va remonter, il va en faire entrer un autre et paf! Donc pour régler ça, on peut faire quelque chose d'assez simple. On va tourner cette molécule. Comme ça, elle va pointer vers le bas et non plus vers le haut. Donc là, vous allez voir... Non, je pense qu'il va me manquer une synchronisation pour que, justement, on voit parfaitement le Waldo's rouge. Et là, on bande, on part, il n'y a plus qu'à poser et partir. Donc, on va décaler ça, sinon je n'y arriverai pas. On va poser ici, on va sortir ici. Et on va synchroniser, puisque sinon, non. Non, je ne vais pas synchroniser, je vais vous montrer ce que ça fait quand on perd la synchronisation petit à petit. Donc là, je pose, j'arrive, je pose, je remonte. Et vous avez vu que cette molécule est arrivée déjà plus tôt. Là, elle est arrivée encore plus tôt. Mais cette synchronisation va me permettre de m'en sortir en fait à chaque fois. Donc non, je peux économiser deux symboles de synchronisation. Et voilà, ça permet de... Et donc, c'est à partir de cette partie du jeu que ça commence à devenir plus intéressant. On a plusieurs réacteurs. Et plus loin dans le jeu, il y a aussi d'autres modifications. Puisque là, ces réacteurs me permettent d'ajouter des liaisons et... peut-être de les enlever, mais plus tard, certains réacteurs ne permettent que d'ajouter des liaisons, que de les enlever. Et donc ça devient beaucoup plus intéressant. Certaines parties sont beaucoup plus difficiles, où il faut penser vraiment avec les deux Waldo's en même temps pour faire des choses qui soient beaucoup plus compliquées que ce que je présente, où on commence à avoir des symboles beaucoup plus partout de l'écran que là. Il y a beaucoup de challenges sur le ResearchNet aussi, et c'est un jeu que je ne saurais que trop vous conseiller. Hein. J'ai rajouté le lien vers Steam dessus. Alors vous n'avez pas de chance puisqu'il était en promotion dernièrement, mais je crois que c'est terminé au moment où je vais publier cette vidéo. Mais je vous conseille vraiment d'y jouer si vous aimez les jeux de type puzzle, et qui demande de réfléchir quand même plutôt pas mal. Space Game est vraiment pour vous. Vous allez voir les deux, trois premières planètes, celles que j'ai présentées précédemment et celles-ci, sont plutôt simples. Mais plus on avance, plus ça commence à devenir extrêmement compliqué. Et vous voyez qu'il y a quand même plusieurs planètes et il y a beaucoup de défis. Donc voilà, j'espère que cette suite de présentation vous a plu et... À bientôt !